qui est pas si long d'ailleurs. Pour la petite histoire, c'est développé par une team allemande qui en fait avait fait ça à l'époque pour la Dreamcast après sa mort officielle annoncée par Sega, bien après. Et ça fait partie des gens qui sont des acharnés finis. En général, on les retrouve beaucoup dans le monde de nos parties. Ils se sont dit oui, non, mais la bécane était géniale et nous, on peut encore sortir des petits éléments dessus. Et ils s'étaient mis en tête de sortir un Ghostblade pour sortir les trucs de ce qu'on pouvait faire avec une bécane. C'était pas bête du tout. On va regarder. Moi, je me rappelle d'un shmup sur Dreamcast qui était sorti après sa mort, qui était plutôt en ligne horizontale et j'ai dit que son nom me paraît encore une équipe allemande. Ghostblade, lui, je ne le connais pas du tout, donc le déballage, on va le faire ensemble. Si il veut bien arrêter de me faire des chargements de 5 heures pour des écrans de... Vous avez le terme. Je parle pas parce qu'il n'y a pas de musique. Juste pour faire chier. Lequel easy, lequel normal, lequel hard, score attack. Global Easy, donc il y a des modes de scoring à sa maison sur le network. On va y aller gentil, hein. On va dire tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça travaille avec combien de boutons? Alors là, je vais faire un petit peu le Warrior car il y a 3 vaisseaux à sélectionner et je n'en connais aucun. J'aurais dû pratiquer le training mode, mais vu qu'on est un petit peu gourmand. Mais à chaque fois les deux ont toujours des actions à lancer. Vous avez une action pour le sang? Oh, c'est bien. Allez, on y va. Bien entendu, il faut des babes à moitié à poil pour piloter des vaisseaux, sinon il n'y aurait aucun charme. Alors, donc là, on a rouge. Bonjour, rouge. On a verte. Bonjour, verte. Et on a Mauve, bonne prise. J'espère qu'on va essayer de vraiment pas trop pourri, parce que c'est celui-là qu'on va prendre. Non, mon mec, c'est un jeu, au début, j'ai jamais vu ça. Je sais pas du tout que c'est juste le cockpit qui passe entre les boulettes. Oh mon dieu! Alors, rouge, c'est méchant. Étoile, on ramasse, en même temps, voilà, on est dans du classique. Et le seul, il s'en fout qu'il va l'acheter, c'est un bon jeu. On va parler. C'est quand même assez mauvais que c'est une petite qualité, même si c'est une barbe de main, il est bien en plus, il est pas ici. Il est bien, il est bien. Là, c'est le premier stage, il faut aussi en raison, on ramasse encore plein dans la tête. Et ça devrait rapidement bouger. Bon, les séquences sont pour l'instant dignes de l'1981. Il y a rien de... Il y a rien de mieux que ce qu'on avait fait dépendre, car ça reste... En fait, c'est pas vraiment le remake de ça. Je me dirais un gars qui avait joué, ça c'est... Il est global. Thank you.
pas de beau film. Bon, ma Dizzy à éviter absolument. Parce que même en prenant n'importe quel vaisseau. Avec des scores, après, pour écouter un petit peu comment fonctionne le
bienvenue tout pour ce truc qui a pas de test. Effectivement, un petit jeu à 9 euros qui aurait été prétentieux. Mais on est un peu que ce soit du mode scoring, mais... Pff.
Bah non! J'ai
pas d'herbe, c'est super classique. Ils font partie de la télé sur le toit de tout. Non mais je vais me coincer tout seul comme un crétin dans le coin de l'écran. Pour l'instant c'est du tout bon. Hein. De ce shmup bien sympathique qui est Ghostblade. Savoir si je le recommanderais ou pas, j'en sais rien. Je le recommanderais pour l'instant aux nostalgiques, aux gens qui ont envie de se faire un petit plaisir solitaire ou de avec les mômes. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ceci dit, vu le prix,